Good morning. Allez, il est juste aujourd'hui le Nishmat François Fragi Ben Trana, Janine Louis Ben Trotto et Mazal Fritna, Kloshom Ben Shalom et Shaya Ben Ninda. Si vous souhaitez vous aider à la prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étions à Sechet Brachot, Terek Aleph, Mishnah Hey, Mazkirin Yetziyat Mitzrayim Balelot, Amar Rabbi El Azar Ben Azaria, Arani Keben Shivim Shana, Belo Zachiti Jete Amer Yetziyat Mitzrayim Balelot, Ad Shede Rasha Ben Zomar, Mishnah bien connue de tous, qu'on lit le soir du Seder. Les gens font ça, arrête, ça fait deux Seder depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ben, on l'avait déjà lu plusieurs fois cette Mishnah. Maintenant, qu'est-ce qu'elle veut dire cette Mishnah précisément? Quel est le rapport avec notre Perek? On est en fait dans la mitzvah de Kriyat Shema. Plus précisément, quand lire le Kriyat Shema? D'accord? On a vu dans la Mishnah Aleph, quand lire le Kriyat Shema du soir, quand lire le Kriyat Shema du matin. On apprendra plus tard dans le deuxième Perek, on parlera plus longuement, des séquences à lire dans le Kriyat Shema. C'est vrai. Mais pour le moment, en rapport avec les séquences à lire dans le Kriyat Shema, alors, on a une Mishnah qui va me dire, sache que tu dois lire, lorsque tu lis le schéma, il y a trois parachutes dans le schéma. La parachat de schéma Israël, parachat de Betranan, Vayem Shamoa, on est dans parachat Ekev, et la parachat du Tzitzit, qui est dans parachat, alors on est dans Shlach Lecha, fin de Shlach Lecha, la dernière séquence de Shlach Lecha, là c'est la parachat du Tzitzit. Donc, trois composants de la Mishnah. Viens Rabbi Elazar ben Azaria, il veut m'enseigner, sache que lorsque tu lis la Mishnah, de jour comme de nuit, tu dois impérativement lire les trois séquences. Même la partie de Vayomer. On aurait pu croire que la partie de Vayomer, elle n'a pas besoin d'être lue le soir, et il va m'apprendre qu'effectivement, elle doit être lue le soir aussi. Pourquoi? Première partie et deuxième partie du schéma, il y a bien sûr la Kabbalat Ol Malchut Shamayim, on témoigner qu'Hachem il est un, qu'on comprend sur nous la Imuna de ça, qu'Hachem il est un, qui nous impose à faire les mitzvot. La troisième partie du Kriyat Shema, la Parashat Vayomer, elle vient essentiellement enseigner que tu as la mitzvot de mettre le tzitzit tous les jours, faisant un peu toutes les mitzvot. Or, la mitzvot du tzitzit, on doit l'accomplir de jour, mais pas de nuit. La nuit, on n'est pas imposé de mettre le tzitzit. D'accord? Même si, par exemple, d'ailleurs, pour savoir, pourquoi on n'a pas des tzitziot sur nos draps dans lesquels on dort? En théorie, le drap, c'est un vêtement de nuit. D'accord? On ne perçoit pas ça comme ça, mais concrètement, les gens dorment une nuit à l'époque, et ils se couvraient le soir. Le vêtement qu'ils avaient, c'était quelque chose qui les couvrait, qui était un drap. Pour ne pas être dénudé complètement. Et dans ce cas-là, le drap, il aurait fallu mettre des tzitziot. Pourquoi on ne met pas des tzitziot dans un drap? Et la réponse, elle est parce que le drap, on le met pour. C'est un tzout laïla, c'est un habit de nuit. Donc la nuit, il n'y a pas besoin de lire. Il ne devrait pas y avoir besoin de lire la parasha de Vayomer, puisqu'on parle essentiellement du tzitzit. Viens Rabbi Elazar ben Azaria et me dit, tu dois quand même lire la troisième parasha, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a dans cette parasha aussi la Yetziyat Mitzrayim. Le dernier passage, il y a Hachem Elokechem, Hachem Rosseti Etrem, mais Eretz Mitzrayim. Il faut se souvenir que tu es sorti d'Égypte de jour comme de nuit, comme ce qu'on va voir dans la Mishnah. Il faut apprendre deux fois par jour qu'il faut rappeler qu'on est sorti d'Égypte, et donc on est obligé d'accomplir les mitzvot d'Hachem, parce que sinon on aurait été des esclaves. D'accord, c'était la caravane de ça. On était un esclave, tu n'avais aucune personnalité, tu n'avais rien, tu n'étais pas dans ta propre propriété, tu ne dominais pas ton temps. Donc maintenant, quand t'as fait sortir, écoute la voix de celui qui t'a fait sortir, soit astreint, sinon t'as pas le droit de vivre, en fait. D'accord? C'est le principe pourquoi il faut appeler la Yetziat Mitzrayim. Donc, va m'apprendre maintenant Rabbi Elazar ben Azaria qu'il faut évoquer la Yetziat Mitzrayim, même la nuit. Parce que Chachamim pensait qu'il fallait rappeler la Yetziat Mitzrayim une fois par jour, deux jours, pas forcément de nuit. Il vient m'apprendre, Rabbi Elazar ben Azaria, qu'il faut le dire. Mazkirin Yetziat Mitzrayim Balelot. Il faut évoquer, rappeler la sortie d'Égypte la nuit. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. M'apprend Rabbi Elazar ben Azaria. Me raconte une histoire, Rabbi Elazar ben Azaria.
Areani Keben Shivim Shana. Je suis moi-même littéralement proche des 70 ans. Velo Zachiti, j'étais Amer Yetziat Mitzrayim Balelot. Et le mot Zachiti, c'est pas je l'ai mérité, c'est pas le mot, mais c'est plus l'onitzarti. Je n'ai pas vaincu les Chachamim contre moi pour les persuader qu'il fallait lire la Yetziat Mitzrayim de la nuit. C'est-à-dire, pendant des années, j'avais un vikouar, on avait un débat contre les Chachamim, que moi je disais qu'il fallait lire les Yetziat Mitzrayim de la nuit. Je lui ai rapporté plusieurs preuves, il les réfutait, ils n'étaient pas d'accord. Hatch de Racha Ben Zoma. Jusqu'à que Ben Zoma, il a évoqué un pasouk où il a prouvé une preuve totale qui a plié que les Chachamim m'ont reconnu que j'avais raison, qu'il fallait effectivement lire la nuit. Qu'est-ce qui est dit dans ce pasouk? Leman tizkor et yom tzetecha me'eretz mitzrayim kol yemecha yecha. Un pasouk dans Dvarim, Tetzaïd, qui me dit, afin que tu te souviennes le jour de ta sortie d'Égypte, kol yemecha yecha, tous les jours de ta vie. Il fallait dire yemecha yecha. Pourquoi tu me dis kol yemecha yecha? Dire le mot kol yemecha yecha, ça veut dire que tu as impliqué d'autres choses. Yemecha yecha, ça impliquait yemé, les jours, ayamim, les jours. Kol yemecha yecha, tous les jours de ta vie, ça vient inclure même les nuits. Tandis que chachamim va chachamim omrim, mais chachamim va interpréter le pasouk autrement en disant que ce pasouk lui-même, il aurait pu être encore discuté en pensant que yemecha yecha haolam haze, les jours de ta vie, c'est durant ce jour, ce monde présent, kol yemecha yecha, tous les jours de ta vie, ça vient les avis les mots à Mashiach, que même lorsque aura le Mashiach qui va venir, et que quand il y aura le Mashiach qui va venir, il y aura des grandes guerres qu'Hachem va gagner et faire des miracles bien plus grandioses que la Yetziat Mitzrayim. Et dans ce cas-là, on aurait pu croire que, alors, on n'aura plus besoin de lire la troisième paracha, parce que qu'est-ce que tu viens de dire? Tu sais, le grand Gibor, il a réussi à tuer toute une armée toute seule, et même aussi à écraser une mouche avec ses doigts. C'est un peu ridicule, d'accord? Continuez à raconter tous les miracles que Hachem a fait. Lorsque Hachem va nous, Bezrat Hachem, nous délivrer par la grande délivrance, dans la guerre de Gog et Magog, et qui va, comme c'est raconté dans toutes les prophéties, il y aura des miracles gigantesques. Alors, rappeler les miracles de Yetziat Mitzrayim, c'est un peu bénin, c'est un peu, ça n'a pas de sens. Eh bien non, il faudra malgré tout les évoquer, et comme ça on aurait pu interpréter le pasouk, comme ça Khamim pensait qu'il fallait interpréter le pasouk, mais finalement ils étaient convaincus que le pshat, le sens le plus juste dans le pasouk, c'est d'expliquer comme ce que Ben Zoma l'a interprété, que c'était Yamim, quand Yamechaïcha pour inclure les soirs. Maintenant, j'apporte un petit zoom sur la phrase de Rabbi Elazar ben Azraï que me voilà comme un vieux de 70 ans. C'est quoi comme un vieux de 70 ans? T'as les 70 ans, tu les as pas. Au sens simple, c'est comme un vieux de 70 ans, c'est-à-dire que j'ai pas exactement 70 ans, 68 ans, 69 ans. Et malgré tout, j'ai pas réussi à gagner les Khachamim. Mais la Gemara explique ça différemment, elle explique ça, non. En l'état, Rabbi Elazar ben Azraï, il avait 18 ans quand il a dit cette Mishnah. Il y a toute une histoire qui est rapportée dans la Gemara, qu'il a fallu nommer Rabbi Elazar ben Azaria en étant le prince d'Israël, lui le dirigeant du peuple. Maintenant vous imaginez un petit jeuneau de 18 ans avec une petite barbe encore toute fraîche, vous voyez la petite barbe des jeunes qui laisse pousser la barbe, elle a encore, on dirait du duvet tellement qu'elle est toute fille comme ça, elle est encore toute noire. Et du coup, le soir qui a précédé le jour où la nomination de Rabbi Elazar ben Azaria en tant que nazi, il a eu un miracle qui s'est passé, il a eu 18 rangées de poils blancs qui lui sont sortis. Ça signifie qu'en réalité, il n'avait que 18 ans, mais il avait une allure de quelqu'un de 70 ans. C'est pour ça qu'il a dit, j'ai une apparence de quelqu'un de 70 ans, et pourtant j'ai pas réussi à gagner les Khachamim. Maintenant vous allez me dire, dans ce cas-là, c'est normal. Si tu avais été vieux, tu aurais été bien aiguisé dans ta tête, c'est normal, tu les aurais gagnés. Mais puisque c'est du mytho, tu n'es pas un vrai vieux, donc c'est normal que tu n'as pas réussi à les gagner, ils sont plus expérimentés que toi, les autres Khachamim. En réalité, non. Ils expliquent les Mefarshim, qui, je ne sais plus, probablement, le divin d'Israël, ils me disent, non, regardez, si Minashamaim, on est d'accord que je vienne le Nassi. C'est-à-dire qu'on considère que même si j'ai que 18 ans, que je suis très important et très sage. C'est d'ailleurs pour ça que du ciel, on m'a donné ces 18 rangées de poils blancs dans ma barbe. Et malgré tout, j'ai pas, malgré ma harifoute, le fait que je sois très aiguisé, malgré tout, j'ai pas mérité.
J'ai pas réussi à ce que à moi gagner tout seul les Chachamim pour leur prouver qu'il fallait qu'il fallait lire le Kriyat Shema même la nuit, même le lire les Tzéat Mitzrayim même la nuit, jusqu'à que Benzoma, c'est lui qui est venu et qui a interprété le pasouk en apportant la preuve pour mon propos. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha comme tout ça.